Attends petit, Sami Zayn est juste là. Exactement. Oh, tu as encore remis ça. Je ne vois pas ce que tu veux dire parce que je ne vois pas absolument pas ce que tu veux dire. Même si du coup je suppose que je vais le frapper. Remporter cette... Ouais, bah voilà, on va le frapper. Même si je crois que AJ Styles m'a pas demandé de frapper Sami Zayn. On va frapper Sami Zayn, ok peut-être. Mais pourquoi j'ai un match par équipe avec Baron Corbin contre Sami Zayn et Chad Gable? Ça n'a pas de sens. Ta 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 let's go! J'ai plus de quoi la musique. C'est pas grave. Parce qu'on arrive. Ah, on a deux carrément. Ah, j'ai entraîné Baron Corbin dans mon petit délire d'attaquer les gens. Ok, je suis un vrai méchant pour l'instant. Et voici Chad Gable, mais on s'en bat les couilles parce que je vais pouvoir enchaîner mon finisher sur Sami Zayn. Boum! Bon, j'espère que Baron Corbin va s'occuper de. Du petit Chad Gable. Bon, je m'occupe du petit Québécois. Mais voilà, c'est fini. Putain, ah, ok, j'allais dire. Ah, ok, faut mettre KO l'autre. Et non, maintenant c'est fini. C'est hyper rapide. Voilà. Voilà, j'ai fait ma semaine. Je peux rentrer chez moi. Voilà, Leighton Rib est rentré dans le rang. Il a été atomisé, je crois. J'en crois la tête de Dean. C'est qui Dean? Qui est Dean? Dean Ambrose? Quoi? Mais je comprends plus rien. Il n'y a pas de Dean Ambrose dans l'équation là. C'est quoi ce Beans? Hello to you. Tu as vu Triple H aujourd'hui? Il faut que je le voie. Absolument pas. Ah ouais, parce que comme d'hab, il n'y a personne dans le bureau. Désolé Lana. Hey, j'ai encore rien pour toi. Mais René voudrait te parler. Va la voir. Pourquoi c'est pas elle qui vient? Normalement, c'est les intervieweurs qui suivent les gens, c'est pas les gens qui vont suivre les intervieweurs. Même si elle, elle reste devant sa télé pendant des semaines, là. Vous avez pris plusieurs superstars en embuscade récemment. On pourrait y voir des actes prémédités, qu'en pensez-vous? Ok. Cette histoire n'a aucun intérêt, René. Attention, je n'ai pas ça. Vous faites mal au boulot, ça sert mal poli. C'est juste qu'il n'y a rien à dire à ce sujet. Je suis une superstar dominante et des fois j'ai besoin de faire de la place pour autour de moi respirer. C'est rien de personnel. Si je tends le bras et que je cogne quelqu'un en pleine face, exprès par accident, disons que ça fait partie des risques du métier. Merci de m'avoir accordé ce moment. À vous, les studios. Nous t'attendons, mais ça va pas te plaire. Comment ça, tu m'attendais, tu m'as dit, il y a 5 minutes, tu m'as dit, il t'a rien pour moi, on va voir René. Je vais voir René, je reviens, tu me dis, on t'attendait, frère, frère. En plus, je viens de dire un truc qui va pas me plaire. Mauvaise nouvelle, tes manigances ont toujours déclaré la fureur de plusieurs personnes. Elles ont fini par y avoir un machin. Il est responsable, écoutez, t'as bien entendu, j'ai pas le choix que pour Gorian. Handicap, deux contrats pour les calmer. Mais je m'en bats les couilles en fait. Let's go, hein! Moi je veux de la compétition, moi! Ah ouais, mais du coup on enchaîne vraiment les matchs à la con juste pour faire des interruptions d'avant-match. Ok. Ok, donc en fait c'est à moi de les rattaquer. Mais si je comprends rien, je crois que j'avais un match de contrat en fait au final. Je comprends pas tout, moi. Et tu marches super vite, Dinambrose. Il le court après, le pauvre. Reviens là, pour à peine, je vais prendre l'autre. Il m'a contré. Oh! Mais non! Moi aussi, je te contre. Tiens, regarde. Prends le titre! Il veut pas. Bon, ok. C'est pas grave. C'est pas grave parce que regarde-moi ça. Twist of Fate! On lui explose la face. Non, contrez pas! Faut que je remporte le truc. Non, 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 relève-toi! Parce que leur truc des fois il se termine alors que t'es même pas KO en fait. Kajiko. Kajiko, aide-moi! L'autre il me fait des trucs, j'aime pas ça. Par contre il ouvre votre handicap match parce que j'ai pas toujours pas compris. Déjà que c'est des matchs random. On s'en fout parce qu'apparemment c'est juste. Bah parce qu'en plus j'étais en train de me dire. En fait c'est genre les deux gars de la dernière fois qui vont m'attaquer. Et là, Soldier! Mais non, c'était des nouveaux gars que je ne connais même pas. Genre, je sais pas ce que j'aurais foutu. Je sais pas ce que j'aurais fait au gars, donc pourquoi
Oh, ok, Dean Ambrose était déjà KO. Il m'a donc Cédric aussi KO. Le combo parfait. C'est un petit mec Jericho aujourd'hui, c'est pas avec AJ Styles. Tu as vu cette victoire? Moi seul co contre Ambrose et Cena? Ok, je viens de comprendre. En fait, une fois, ils m'ont dit d'attaquer Sami Zayn, mais ils ont cru que j'avais attaqué Dean Ambrose. Cena, oui, ok, on l'a attaqué. Et là, ils ont cru qu'à l'instant, j'avais attaqué Ambrose et Cena tout seul. Alors qu'en fait, j'étais dans un match tag team avec Jericho contre Cedric Alexander et Dean Ambrose. Ça n'a pas de sens. T'as assuré, mais tu as pas été si facilement loin. Ils participent quand même au Money de Bank parce qu'ils ne sont pas blessés, quoi? Quelle outrance! Tu m'as mal coaché, s'il te plaît, la moto. Donne-moi une autre chance! S'il te plaît, Senpai. Ok, non, quoi, tu la mérites. Ça se passait bien entre nous. S'il te plaît. T'as quand même merdé, mec. Mais je comprends ce que tu essaies de me dire. Je peux peut-être te donner une dernière chance. En souvenir du bon vieux temps. Ouais, le bon vieux temps de la semaine dernière, ok. Je te fais entrer dans ce match, mais t'as pas le droit à l'erreur, ok. Promets-moi que tu décrocheras la manette. Bien sûr. Mais pourquoi tu veux que je décroche la manette? Tu crois que je vais me coucher contre toi une fois que je l'aurai en fait? C'est mal me connaître. Tu sais quoi? J'ai déjà vu des superstars de la WWE dans ta position. Avant Money in the Bank? Non, pas ça, je veux dire là, ce moment. Cet instant, juste avant la gloire. Petit, rappelle-toi, tu t'entraînais si dur. C'est pour ça. La chance s'offre à toi de laisser ta trace dans l'histoire. Pas celle de quelqu'un d'autre, la tienne, tu m'entends? Je crois que je commence à comprendre où tu veux en venir. À combattre sans risque, contre rien sans gloire. Tu as tout sacrifié pour atteindre ce moment. Ouais, je suis devenu méchant en fait. C'est pas trop ce que j'appelle sacrifier tout, mais. Effectuer un Oh my god moment! Utiliser l'adversaire contre. Il y a tellement d'objectifs là, de ce coup-là. Mais ok, on est enfin dans le Money de Bank. Par contre, je sais pas du tout contre qui ça va être. Ok, alors. Cena, Dean Ambrose, ok. Sami Zayn, ok. Primo, what the fuck, qu'est-ce que Primo fout ici? Et Roman Reigns, que je n'ai jamais vu de ma vie. Ok, d'accord. J'aurais pensé genre un Luke Harper à la place de Roman Reigns, vu que Luke Harper j'ai déjà affronté. Bon, let's go. Money in the Bank, on l'assiste. Je commence avec Jotina et boum! Un Primo, Prisa 2. Non, je vais faire Prisa 2, Primo. Non, ok, en fait personne ne veut. Ok, bon bah tant pis. Parce que regarde, boum, tu dégages. Vas-y, faut que je prépare le terrain. Faut faire un Oh my god moment, faut frapper quelqu'un avec une échelle. Faut remporter le match. Je sais pas s'il y a un nombre d'étoiles à avoir. De toute façon, je pense que pour arriver au point de gagner le match, je crois qu'il va falloir pas mal de, faire pas mal d'étoiles. Donc, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a encore la grande échelle, celle qui fait 6 mètres là? Ça sera assez cool. On va découvrir ça tout de suite. Toi, en attendant que tu dégages, moi je vais faire les tables. Ok, merci. Laisse-moi mettre la table. Enfin, la démettre plutôt. T'inquiète, tu seras le premier à manger de la table. T'inquiète pas. Et oui, c'est Vico en fait, c'est pas Primo. Je crois que tout à l'heure j'ai dit Primo. Mais arrête de me faire ça. Il me balance dans le coin de la table. J'ai mal au ventre après à cause de toi là. Sami Zayn, il va y goûter lui. Attention, Sunset Flip Power Bomb! Est-ce qu'il y a une échelle? Ici, pas d'échelle? Bon, peut-être parce que c'était devant. Peux-tu partir? Par là. Est-ce qu'il y a une échelle? Oui, il y a une échelle! Non, 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 il y avait l'échelle, il y avait l'échelle! Merci de mettre l'échelle. Voilà, maintenir les deux trucs et t'as l'échelle qui fait 10 mètres de haut. Je sais pas combien ça fait. Non, elle est quand même hyper grande. Et tu peux mettre quelqu'un dessus. Vas-y, Sami Zayn, t'es là, mon pote. T'es pile pour être bon. Yes, il va dessus directement. Le mec, c'est un boss. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Sois dans le monde! Ah non, même pas. Non, 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 j'ai loupé! Non! Non, mais Roman Reigns, tu casses ce truc, arrête, stop! Stop, Roman Reigns, stop!
Comment t'abuses? Comment je te déteste, Roman Reigns? Il va se relever, Sami Zayn. C'est ta faute. C'est ta faute, tu en prends la peine. Tu peux la bouffer l'échelle. Je passe en dessous au calme. Et John Cena, tu en prends? C'était le premier venu, je sais pas pourquoi. Moi, je me casse, vas-y, il faut que j'attaque Roman Reigns. Voilà. Boum. Par contre, je vais te mettre sur le ring et te remettre sur l'échelle. Tant pis, c'est toi, t'es destiné à y aller. T'as voulu m'enlever Sami Zayn, bah du coup, c'est toi qui le remplace. C'est tout, c'est comme ça. Y a pas de discussion. Ça va marcher. Des fois, un poil du cuivre, ça marche. Yes, ça marche. Du coup, faut essayer le coin du haut parce que le coin du bas, ça marche pas. Je crois. Un bon drop, et oui, on a explosé l'échelle. Ah, le pauvre, il est tellement douillé. Bon, par contre, c'est pas ça qu'il fallait faire. Faut attaquer quelqu'un là. Oh. Ok, je saute dans le vide, s'en fout de moi. Mais deux fois je saute dans le vide, s'en fout de moi, lui. Tiens, mais frère! Tu sais quoi? Non, mais deux fois qu'il me fait ça! Prends l'échelle. Est-ce qu'on peut frapper les gens comme ça? Par contre, pourquoi il est en mode tryhard là? Le gars, c'est le premier qui va sur une échelle, il est déjà deux trucs, deux crans demi. Oh non, moi je frappais des gens, c'est bon. Je pense que ça fera le taf. Oula, c'est le bordel là. Laissez-moi me chercher en place, s'il vous plaît. Laissez-moi faire mes bails. Au pire, il y a pas mal de sauter sur quelqu'un là. Sami Zayn. Oui. Hey. Putain, j'ai tapé deux personnes avec mon finisher. Je suis trop le boss. Et yes, et c'était là un moment pour prendre la lettre là. Tout le monde est au sol, j'ai mis le KO tout le monde, vite. 1, 2, 3. Loupé. Ah, mais c'est tellement rapide en fait comme match. Yes, je suis content. Yes. Comment j'étais tout ce brain, j'ai fait tous mes objectifs, je crois. Et je me suis dit, tiens, oh regardez-moi ça, ce magnifique replay avec l'autre vision, l'autre caméra. Regardez-moi ça, c'était magnifique. J'ai frappé les dents en même temps, l'autre, il s'est pris mon pied dans la tête. Et j'ai pris, oh ouais, mais c'est trop beau en fait. C'est littéralement trop beau. J'y crois pas, j'attends vraiment dire en plus. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais genre, un match comme ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer 10 minutes, même pas. Et là, je crois pas que ça dure 10 minutes. Et je suis Money in the Bank, yes, bébé. C'est magnifique, franchement j'adore. Et Jessa, il va être content. Alors il me manquait en fait un Omega Moments pour emporter le truc, parce que les chaises ne comptaient pas. Donc là je fais mon petit truc, j'espère que personne ne va me faire chier. Attention, Rob Van Dam. Et on saute, boum. Ok, maintenant faut regagner le match. Et voilà, je dois regagner pour valider l'objectif. T'as réussi, je savais que t'en étais capable. C'est génial. Je me repais de ma propre victoire. Tu l'as bien mérité. La semaine prochaine, on annoncera que tu me remets la mallette en fanfare. Puis on te présentera comme bras droit. Ta carrière commence, mon gars. Et genre, je réponds même pas à ça. Quoi ? Même pas, j'ai répondu en mode non, la mallette, je la garde. What the fuck? C'est quoi ce délire? Une grande soirée s'annonce, Team SmackDown. C'est vrai, en partie. Comment ça? AJ va bientôt arriver. Ça serait mieux que j'y aille. Seul et tout de suite. Ah, il t'est venu l'idée de tout changer. Bon, après tout, c'est ta soirée. Le ring est à toi. Pour remporter cette promo. Vous n'avez pas entendu parler d'un accord en rapport avec cette manette. Quoi qu'il en soit, je pense que mes fans savent que je m'apprête à dire. Je suis persuadé qu'ils sont d'accord avec moi. Cette manette est à moi et rien qu'à moi. Je vais la garder et l'utiliser quand? Je n'en sais rien. Mais c'est mon droit en tant qu'un vainqueur. Oh non, comme par hasard, et j'arrive. Si tu fais ça, si tu vas aller jusqu'au bout et ne pas me rendre la manette, va falloir que tu aies. Tu en es dans ce libard. Ok, il faut que tu aies des couilles en gros. Tu vas cracher tes bichetons.
Hey, tu pourrais me rendre un service? C'est tellement bête que j'ai un peu honte de le dire à haute voix dans tout le monde, mais c'est carrément même gênant. Bon, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, garder mon titre bien au chaud pour moi? Ça va pas trop compliqué pour tes deux neurones. Me demande pas combien de temps j'ai besoin que tu gardes cette ceinture. Probablement pas longtemps, mais sois tranquille, je viendrai te voir quand je la voudrai. L'univers W est basé sur la confiance, c'est que Vince est attentif sur tout ce qui se passe. On sait que tu peux aller te faire en sorte que tout marche à la merveille. Mais là, tu as violé notre confiance. Tu es un traître. Lol. C'est toi qui m'as dit d'attaquer tout le monde aussi. Tu vois, des coups dans le dos partout, ironiquement. C'est pour cette raison que je me retourne contre toi. Je ne vois pas pourquoi je devrais être loyal parce que tu calcules tout. Tu me dégoûtes et je veux surtout pas que tu déteignes sur moi. J'espère ne plus jamais t'être redevable. En fait, je dois rien parce que c'est moi qui attaquais tout le monde en fait. J'étais un peu son larbin. T'as des amis, vraie question, t'as des amis ou en dehors de lui, ils doivent être super loyaux parce que je comprends pas vraiment quiconque pourrait avoir d'affection pour toi après avoir montré ton vrai visage. Franchement, je vois pas comment tu pourrais être bien entouré de ta misérable petite vie solitaire. En fait, j'aurais pas dû avoir besoin de t'utiliser. Ma présence au milieu de mecs aurait été la conclusion logique que tout le monde aurait dû prévoir. J'en ai marre de devoir faire mes preuves en permanence, puis d'être ignoré à nouveau. Il faut alors des décibels pour que tu m'entendes. Tu te laves jamais les oreilles? Not making any On friends, but dirait une not mallette really comme les autres, concerned mais about pour it toi, either. c'est bien plus que ça. C'est une épée de Damoclès. Now we know what we have in store. Man, you Ok, can't je fake l'ai battu. passion like Cool. that. I love it. Let's get it going. J'aurais raté ça pour rien au monde. Le spectacle t'a plu? Waouh, petit, t'es peut-être le nouveau monsieur en Manebec. Mais tu t'es aussi fait tout un tas d'ennemis puissants ce soir. Hey, je sais ce que je fais. Il n'y a même pas de quoi en parler. N'en sois pas si sûr, il y aura des répercussions difficiles à anticiper. Tout est lié, mon ami. Quand on tue une personne, ça finit toujours par te retomber dessus. Non, mais en fait, tout le monde croit que c'est normal que je lui donne la mallette alors que c'est lui le champion. What the fuck? Vous êtes tous fous, ma parole. Oh bah alors, j'ai gagné par des contests arrière, mais ça ne se fait pas. Bon, je vais faire un finisher quand même, vous inquiétez pas. Et ouais, c'est qui les boss? High five, high five! Plus, c'est quoi cette team Luke Harper avec Baron Corbin? Ça n'a pas de sens. Franchement, tu me prends la tête là, fais gaffe, t'as pas retrouvé Arrow. Ok, mais moi je cherche Vince McMahon, ton père. Parce qu'il est pas dans son bureau. Et en fait, normalement, vu que je suis employé dévoué, je peux avoir des bonus avant chaque match. Motivation des troupes, ils appellent ça. Je l'ai pas vu une seule fois dans les backstage, c'est n'importe quoi. Nouveauté, les matchs dont on voit uniquement le replay et pas les matchs en entier. Ok, donc ils ont fait voir deux prises apparemment. Ah bah non. Ah, ils ont fait voir la même sous un autre angle. D'accord. Ok, juste pour ça. Je pensais qu'ils allaient faire plus de prises. Bon, enfin, je suis déçu. Mais bon, en gros, j'ai battu Kofi. Alors, tu vas affronter ou quoi? Ouais, je voulais juste tuer dans 30. Non mais vous, putain, vous recommencez votre délire. Je viens de l'affronter. Et vous me dites que ça n'a pas marché. What the fuck, mais. Mec, ouvre tes yeux. Soulja battu Kofi Kingston. Bonne chance pour ça. Putain de débile. Ça me gave, ils vont me remettre un match contre Kofi la semaine prochaine, j'en suis sûr. Après, on s'étonne qu'il y a des semaines qui fassent 5 semaines. Enfin, des mois qui fassent 5 semaines. Mais ils savent pas compter aussi, ces abrutis. La foule est agitée ce soir, a remporté ce match. Et là, je vais voir encore Kofi Kingston, j'en suis sûr. Et oui, quelle bande de débiles. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc en mode. C'est un bug récurrent d'avoir les quêtes plusieurs fois d'affilée. Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu quelqu'un dire qu'il avait affronté trois fois la même personne d'affilée parce que ça marchait pas. Bon, Kofi, laisse-toi faire, tu vas voir, ça va aller tout seul. Merci, Kofi. Alors, tu vas affronter ou quoi? Non, vous foutez pas de ma gueule. Me dites pas que ça va recommencer encore une semaine. Putain, mais quelle bande de débiles. La foule est agitée ce soir. Putain, mais c'est pas possible. J'ai un pu. C'est la troisième fois que j'affronte en solo, je crois, là. Et j'avais affronté avant en tag team. Donc ça fait 4 matchs contre Kofi Kingston. En fait, j'ai affronté Kofi Kingston tout le mois.
Et tout le mois, il y a l'autre là, Rich One, qui m'a dit, hey, c'est quand que tu l'attaques, au fait? Réveille-toi, mec. La dégénérescence mentale. Le Nobody comes soldat. back from this. Can he end it here? He's looking at it. Le It's twist just a of matter of fate. time now. I can't believe it, Michael. Sept. He misses the mark. He might need Yes. glasses, Cole. His eyesight is clearly compromised. Looking for the finish. Huit. I don't think he should get up. Neuf. Et tu l'as dans le Baba Coffee. Oh, come on. Don't Merci. have it end like Je this. gagne un match de pay-per-view par des comptes extérieurs. En faisant exprès. Tout ça parce que c'était un match de merde. Que j'ai déjà fait plusieurs fois. Ce mois-ci, ça n'a pas de sens. Je vais appeler cette vidéo un jour sans fin. Le truc, tu refais le même truc. Here is your Est-ce que winner, je t'ai déjà raconté la the définition Soldier. And it's a count-out victory here tonight. And it de la doesn't sound folie? like the fans C'est are too thrilled faire with les the decision choses here. pareil, pareil. Guys, Je it sais plus sounds c'est like quoi, we je can connais la all citation agree en that anglais, mais was pas an en français en fait. extremely impressive Le win. gars dans Far Cry. Vas. The level tell you the definition of insanity is doing the same thing over and again and waiting for a change. À peu près, c'est ce qu'il dit. Pas au mot près, mais c'est à peu près ce qu'il dit. Bien joué, tu lui as fait passer l'envie de salir ton nom. Mais toi, Rich One, plus jamais tu te dis mon nom en fait. C'est toi qui vas ravaler tes insultes. Ouais, c'est ça, tu vas récolter ce que t'as semé. Qu'est-ce que j'ai gagné? 200 points de popularité, non 200 points, 120 points de popularité, 3 points d'attribut, ah 3 points c'est cool. Mais est-ce que ça vaut le coup les trucs? Allez, je suis un niveau 3 favori des fans, du coup maintenant je pourrais faire des promos pour les matchs il me semble. Voilà, c'est ça. Vu que j'ai fait pas mal de Road to Glory, j'ai déjà pas mal de points. Non, je suis plus assez. Bon bah ok, il me restera 4 points à mettre. Ce qui est ironique c'est que j'avais 200 000... 200 000 crédits et je les ai dépensés dans des caisses à la con. Et aussi pour avoir des attributs, des techniques, des aptitudes, tout à fond. Et au final, maintenant, il me reste, enfin, il me manque des points. Ce qui est un peu con, mais bon. Il semblerait que les félicitations soient de mise. Ouais, j'ai battu 5 fois Kofi. Félicitations. Hey, moi, je viens juste de commencer, relax. On dit ce que t'as à dire. Plus sérieusement, félicitations pour Money in the Bank, t'as été loyal. Non, royal, ok. Je ne dois qu'à mon travail. C'est vrai. Oui, on forme une sacrée équipe. Il est en train d'insinuer que c'est à cause d'AJ Styles que j'étais champion. Enfin, j'étais Mister Money in the Bank. Ah, c'est tout, faut juste parler à Todd. Aujourd'hui, on choisit pas entre Daniel Bryan et Shane McMahon. Bah dis donc, y'a pas Shane McMahon ici? Non, y'a pas Shane McMahon. D'accord. Bah tu viens juste me voir. Quoi? Pourquoi tu me reparles? Mais pourquoi tu me reparles? J'ai rien fait. LOL! Le game m'agresse pour me faire une conversation qu'il m'a déjà faite. Bon, du coup. Et si je changeais de. Je changeais d'avis. LOL. Ok, bon, ça change rien. Arrête de m'agresser, mec, on dirait les dresseurs dans Pokémon quand ils viennent te parler, quand tu passes devant eux. Je suis sûr, j'en passe devant lui, il me parle. On va tester. J'ai rien d'autre à faire, on va tester ça. Bah voilà, bah non. Ah non, mais le truc, la blague, quoi. Stop! Du coup, est-ce qu'on veut lui dire la troisième proposition? C'est vous tous qui m'avez soutenu. J'espère que ça te portera preuve. Pourquoi ça porterait préjudice de vous soutenir? De quoi? Attends. J'ai du mal à comprendre un truc. Il m'a dit de faire le titre intercontinental. Fais attention où tu mets les pieds. Quoi? Quel genre de trahison? Ah mais c'est pour ça qu'il m'agresse en fait, parce qu'il voulait que je change de phrase. J'ai un peu mal compris là. En fait, il veut absolument que je fasse la mallette sur le titre intercontinental. Il va même recommencer la phrase ou pas?
Non? Ah merde. Ah mais tu fais la 2, tu fais la 3. Il te reparle, tu fais la 1. Et là, il pète un câble. Du coup, apparemment, il veut que je fasse Money in the Bank sur le champion intercontinental ou je sais pas quoi. Parce qu'en plus, comme un con, j'ai passé, je pensais qu'il disait de la merde. Je pensais qu'il serait pété. Mais c'est bon, moi je veux le titre mondial, moi je veux LG16, je veux pas une ceinture WWE mineure, tu vois. Ah mais quoi, c'est même plus LG16 qui est champion, c'est Neville? What the fuck? Et puis comment ça se fait qu'à chaque fois j'affronte des Dean Ambrose alors qu'il a Raw et pas SmackDown? Eh ben vas-y, je ne comprends absolument rien à leur truc. Mais absolument rien. Et pourquoi mon champion principal c'est Kevin Owens? Je vais vraiment utiliser la mallette sur le titre États-Unis, le pire titre ever. C'est quoi ce truc?